Bien, bonsoir à tous. Nous allons commencer tout de suite, puisque l'heure est déjà dépassée. Alors, après 2 mois d'absence, d'interruption, nous reprenons nos émissions aujourd'hui et je suis heureux d'accueillir le docteur, pasteur Patrick Etougué-Anani, qui a changé de statut depuis que nous nous sommes quittés. J'aimerais aussi saluer France Jusmé qui est avec nous, ainsi que Josué Saint-Pierre et Jean-Pierre Élisée, ainsi que les internautes qui nous ont rejoints sur le Zoom et ceux qui nous regardent en direct sur YouTube. Alors, nous avons eu un entretien avec nos intervenants, nos invités. Et nous avons avec quelques mesures que je vais vous communiquer tout de suite. Premièrement, l'émission n'aura plus lieu chaque semaine, mais toutes les 2 semaines, c'est-à-dire tous les 15 jours. Nous aurons donc 2 émissions par mois. Et ceci pour permettre à nos intervenants de se préparer, de préparer leur intervention, mais aussi faciliter la réflexion, les recherches de nos internautes et aussi leur permettre de mieux cibler les questions. Donc, le thème sera présenté par un invité qui prendra 10 à 15 minutes pour faire son intervention. Et les questions, par contre, devront rester dans le thème. Nous allons éviter les questions qui dérivent, qui débordent, qui pourraient égarer un peu ceux qui écoutent, ceux qui suivent. Et ensuite, nous allons bien entendu, lister les questions qui sont en dehors de la présentation pour les organiser et en faire une émission entière. Alors, nous aimerions aussi que ceux qui interviennent, surtout nos internautes, ne dépassent pas 2 minutes. Et s'ils ont la possibilité de déclencher leur timer et de l'afficher, ce serait une très bonne chose, ce qui nous permettra de contrôler un peu le temps d'intervention et qui nous permettra aussi de mieux gérer l'émission. Alors, évidemment, les interventions qui seront en dehors du thème, nous serons obligés de les interrompre et bien sûr, ceux qui dépassent le thème, nous les rappellerons à l'ordre en leur demandant de raccourcir leur intervention. Alors, pour solliciter la parole, nous souhaitons que vous actionniez la main électronique. Nous avons déjà montré comment faire. Il suffit d'aller sur votre ordinateur ou votre téléphone de manière à gérer la demande de parole, ce qui nous permettra de la donner à ceux qui la demandent correctement. Donc, nous ne voulons pas qu'on lève la main. Si, parce que nous ne voyons pas tout le monde, il est souhaitable qu'en actionnant la main électronique, vous puissiez avoir la parole plus facilement. Eh bien voilà, nous essaierons bien sûr de respecter l'ordre d'intervention et nous croyons que les choses se passeront beaucoup mieux. Donc, les questions sont ouvertes et nous souhaitons que les interventions de nos invités se fassent de manière spontanée. Donc, nous rappellerons aussi que pour faciliter l'enregistrement et aussi la diffusion de l'émission, qu'il est souhaitable que ceux qui n'ont pas la parole ferment leur micro et coupent leur micro, ce qui évite des blancs sur la bande finale. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème très intéressant, en tout cas je l'espère, puisqu'il s'agit de la connaissance et de la croyance et la problématique que nous présentera Franz Jusmé est la connaissance ennemie de la croyance, avec un point d'interrogation bien entendu, puisque c'est une problématique qui est souvent débattue et où de nombreuses personnes affirment que il vaut mieux connaître que croire et que lorsque l'on croit, on a des difficultés à connaître. Donc, ceci est la problématique sur laquelle nous allons nous pencher aujourd'hui et nous voulons souhaiter la bienvenue à Franz et lui donner la parole tout de suite.
Oui, bonjour à tous. Je vais partager mon écran. Merci, Pasteur Roger. Bonjour à tous mes camarades, mes collègues qui sont connectés aujourd'hui. Et nous allons en effet débattre de cette question. La connaissance s'oppose-t-elle à la croyance? Donc, j'ai fait une petite présentation PowerPoint que nous allons donc visionner ensemble. Cette présentation commence par un petit jeu. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez prendre une feuille et un stylo. Le but sera d'associer deux verbes aux images qui vont suivre. Il y a le verbe croire et le verbe savoir. Et à chacune des images, on va essayer de déterminer qu'est-ce qu'on utiliserait comme verbe dans cette situation-là. Et à la fin, on verra. À quoi pouvait servir ce jeu. Donc, déjà, on va commencer par la pensée. La première question, à quel verbe mettriez-vous pour cette phrase? Diriez-vous, je sais que la pensée existe ou je crois que la pensée existe? L'image suivante concerne l'oxygène. Diriez-vous, je crois que l'oxygène existe ou je sais que l'oxygène existe? On va faire la même chose. Pour le soleil, diriez-vous, je crois que le soleil existe ou je sais que le soleil existe? S'agissant maintenant du Père Noël, diriez-vous, je crois que le Père Noël existe ou je sais que le Père Noël existe? On continue. Le Big Bang. Diriez-vous, je crois que le Big Bang a eu lieu ou je sais que le Big Bang a eu lieu? Prenons un personnage très célèbre. Jésus, direz-vous que je sais que Jésus est ressuscité ou je crois que Jésus est ressuscité? Donc, vous voyez, les différents verbes que nous avons utilisés permettent de se rendre compte que lorsqu'il s'agit d'une connaissance, d'un savoir, vous allez toujours utiliser le verbe je sais. Que la notion soit. Que l'objet soit un objet immatériel, quelque chose qui se sent, qui se voit ou autre, vous allez toujours utiliser le verbe savoir. La pensée, c'est quelque chose d'immatériel, mais vous savez qu'elle existe parce que vous pouvez l'expérimenter. L'oxygène, vous ne pouvez pas le voir non plus. Vous allez utiliser le verbe savoir parce que vous pouvez aussi l'expérimenter. Le soleil aussi. Parce que vous le voyez, vous l'expérimentez tous les jours, vous expérimentez ses effets, vous utilisez le verbe savoir. Par contre, concernant le Père Noël, vous ne pouvez pas l'expérimenter le 25 décembre, vous ne le voyez pas. Vous ne voyez pas les cadeaux qu'il apporte aux enfants. Vous utiliserez le verbe croire, le Big Bang, vous n'étiez pas là et vous ne pouvez pas faire une expérience du Big Bang, on ne peut pas reproduire ça. Donc, on va dire que je crois qu'il a eu lieu. Et pareil pour la résurrection de Jésus, vous n'étiez pas là. Il n'y a pas de vidéo de sa résurrection. Il n'y a que des récits. Donc, il n'y a pas de preuves archéologiques et des choses comme ça. Donc, vous utilisez le verbe savoir, croire. Vous croyez qu'il est ressuscité. Donc, le verbe croire, que ce soit par le passé ou le présent, mais dès que on n'a pas la capacité de faire une démonstration, on utilise toujours le verbe croire. Okay? Donc, maintenant, définition de la croyance. La croyance est le fait d'attribuer une valeur de vérité à une proposition ou un énoncé. Le mot peut désigner tantôt ce qui est cru, comme par exemple croire que le Père Noël existe, tantôt l'attitude ou l'état psychologique de celui qui croit. On voit donc que la croyance, c'est le fait d'attribuer une valeur de vérité, mais cette valeur de vérité n'est pas une valeur qui est prouvée ou démontrée. Maintenant, définition du savoir. Le savoir, c'est donc un ensemble de connaissances ou d'aptitudes reproductibles acquises par l'étude ou l'expérience. La véracité de ces connaissances peut être démontrée par une méthodologie scientifique éprouvée grâce aux matériaux laissés sur le site, par exemple l'archéologie, ou expérimentée
en recréant les conditions nécessaires à la production de l'événement. Et donc, toute connaissance peut être remise en question lorsque on a une méthodologie plus complète pour démontrer que cette connaissance-là était infondée ou pour prouver encore plus sa réalité. Et donc, toute connaissance peut être remise en question, contrairement à la foi. Quand on a foi en quelque chose, les gens n'acceptent pas que leur foi soit remise en question parce que ils ont attribué une valeur de vérité qui est inaliénable à la croyance elle-même. Donc, on comprend que la croyance est intimement liée au doute parce que lorsqu'on a la connaissance, on n'utilise pas le verbe croire. Mais quand on utilise le verbe croire, c'est lorsqu'on n'a pas la capacité de vérifier, de démontrer. Donc, il y a donc un doute, même si on ne le pense pas au départ, mais dès qu'on croit, c'est qu'il y a forcément un doute quelque part. Même si, au fond de soi, on est intimement convaincu que c'est vrai, mais au fond, le seul fait d'utiliser le verbe croire démontre par lui-même qu'au fond de soi, il y a un doute, parce qu'on n'a pas la capacité de faire une démonstration ou de faire une reproduction de l'événement. Celui qui croit est celui qui sait. La croyance étant le fait d'attribuer une valeur de vérité, aussi bizarre que cela puisse paraître, celui qui croit a plus de certitude que celui qui sait. Parce que celui qui sait, il peut remettre en doute sa croyance, son savoir, mais celui qui croit, comme il attribue une valeur de vérité absolue à sa croyance, donc il a donc plus de certitude que celui qui sait, même si intimement sa croyance est liée au doute. Donc je sais que c'est un peu compliqué, mais essayez de vous mettre un croyant face à vous. Quel que soit ce que vous allez lui dire, en général, il va rester sur sa position parce que ce n'est pas qu'il fait exprès, c'est qu'il est intimement convaincu que ce qu'il croit est vrai. Alors que celui qui sait quelque chose, vous allez lui dire, voilà un autre chemin qui permet, ce chemin-là n'est pas forcément le plus court, hein. Il va vous écouter, il va étudier, il va regarder, il va expérimenter, il va dire, ah bon, dans ce cas-là, il va mettre à jour sa connaissance. Le chemin qui était le plus court, qui était un savoir, il savait que ce chemin-là était le plus court, mais il va le remplacer par une nouvelle connaissance qui dit que le nouveau chemin le plus court, c'est celui-là. Donc, il a fait une mise à jour de sa connaissance, alors que celui qui croit ne fait pas de mise à jour de sa croyance parce que c'est une vérité absolue qui traverse le temps. Pourquoi est-ce que celui qui croit a plus de certitude que celui qui sait? Pour une raison simple, c'est que le cerveau a un impératif de performance. Lorsque vous souhaitez vous rendre d'un point à un autre, si vous voulez arriver vite, vous allez prendre le chemin, la ligne droite, d'accord, qui est à droite d'ailleurs, et le chemin qui est à gauche, qui est sinueux, vous allez l'éviter. Notre vie peut se résumer à une suite de prises de décision dans le cerveau. Et donc, le cerveau ayant un impératif de performance, parce que cette performance-là peut nous coûter la vie. C'est-à-dire que lorsque nous voyons un accident qui arrive, nous devons prendre une décision tout de suite. Soit nous sautons à gauche ou nous sautons à droite. Si nous devons prendre du temps à réfléchir, est-ce qu'il faut que je saute à gauche ou à droite? Eh bien, l'accident va nous arriver et on va perdre la vie. Que sauter à gauche ou à droite soit la bonne ou la mauvaise décision, ce n'est pas ce qui importe pour le cerveau. Ce qui importe pour le cerveau, c'est de prendre une décision. Après, il va corriger cette décision. Si sauter à gauche était une mauvaise décision, la prochaine fois, il sautera à droite. Mais au moins, il a agi rapidement. D'accord? Et il va donc se conditionner la prochaine fois pour prendre une décision qui est plus appropriée. Mais son objectif, c'est d'être performant. Donc, c'est pour ça que lorsque on fait une erreur,
Eh bien, le cerveau va donc corriger cette erreur. Donc, il va faire grossir le réseau de neurones qui correspond à ce qu'il considère comme étant la bonne solution, la bonne décision, donc la vérité, entre guillemets. Et donc, plus ce réseau de neurones va grossir, eh bien, plus l'information va passer par ce chemin-là. C'est très important de comprendre le fonctionnement du cerveau pour comprendre la différence qu'il y a entre la connaissance et la croyance. La connaissance s'étudie, se remet en cause, mais la croyance s'inculque et s'inculque depuis petit et grâce à des répétitions. Par exemple, celui qui va à l'école pour apprendre, à un moment donné, l'école s'arrête. Cette personne-là, elle obtient un diplôme, donc elle arrête d'aller à l'école. Mais celui qui croit doit toujours répéter ce qu'elle sait. Pourquoi? Parce que si elle arrête de répéter, à un moment donné, le cerveau va se poser un certain nombre de questions, va remettre en cause cette croyance. Donc, pour éviter qu'il y ait cette remise en cause, il est donc important de jusqu'à la mort ce qu'on a appris pour que le réseau de neurones continue de grossir pour qu'il ne maigrisse pas. Et donc, ce réseau de neurones-là étant gros, étant performant, donc lorsqu'on a une question sur la croyance, eh bien, le cerveau va prendre le réseau de neurones qui est le plus performant, donc qui correspond aux choses qu'on a apprises depuis petit et qu'on a répétées. Et c'est pour cela que, comme vous voyez ces deux groupes-là, vous aurez énormément de mal à faire un musulman devenir chrétien et vice-versa. Pas parce que le musulman il n'est pas dans la vérité ou que le chrétien n'est pas dans la vérité, mais c'est que les deux groupes ayant appris depuis petit ce qu'ils savent, bien sûr, vous trouverez toujours des exceptions, hein. Vous allez trouver un musulman qui devient chrétien ou un chrétien qui devient musulman. Mais dans la majorité des cas, chacun restera dans sa croyance, parce que le réseau de neurones, il a atteint une taille et il est continuellement alimenté. Et donc, de bonne foi, le musulman trouvera qu'il est dans la bonne voie et le chrétien trouvera qu'il est lui aussi dans la bonne voie. Sur ce tableau, vous voyez le classement des pays selon leur niveau d'instruction. On a par exemple le Canada, les États-Unis, l'Europe ici. Et donc, ce sont des pays qui ont un haut niveau d'instruction. Et les pays qui ont le plus faible niveau d'instruction se situent sur le continent africain et en Asie. Aussi bizarre que cela puisse paraître, il y a un lien étroit entre le niveau d'instruction et le taux de croyance qu'il y a dans la population. Les pays qui ont le plus haut niveau d'instruction sont les pays qui ont le plus faible taux de croyants et les pays qui ont évidemment le plus bas taux d'instruction ont le plus haut taux de croyance. On le voit bien, c'est matérialisé là, les Antilles, l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Asie. On pourrait dire que c'est un hasard, mais sur plus de 220 pays, il n'y a plus de place au hasard. Il y a donc un lien étroit entre le niveau d'instruction et la croyance. Donc, on peut faire une conclusion sur ça, que les pays qui ont la plus forte population d'Africains et ou d'Afro-descendants sont les pays les moins instruits, les plus croyants et aussi les plus pauvres. Il faut aussi le savoir. Donc, la connaissance remplace la croyance. Si les extraterrestres avaient débarqué sur Terre, plus personne ne croirait aux extraterrestres parce que tous apprendraient à les connaître. Et le fait de connaître les extraterrestres, on ne dirait plus je crois aux extraterrestres, on dirait je sais que les extraterrestres existent, tout comme on dit je sais que les Africains existent, je sais que les Européens existent, je sais que les Asiatiques existent. On ne dit pas je crois pour ces populations-là parce qu'on peut expérimenter leur existence. Donc, on voit bien que la croyance et la connaissance sont antagonistes. Et donc, le fait d'aller chercher la connaissance, eh ben, ça permet de remplacer la croyance. Et c'est d'ailleurs pour cela
que Cheikh avait dit, formez-vous, armez-vous de science jusqu'aux dents, parce que la connaissance est une arme qui nous permet d'éviter de nous faire manipuler et aussi de parvenir à un épanouissement physique et intellectuel. Je vous remercie. Ça fait déjà 14 minutes 40. On avait dit 15 minutes pour la présentation. Donc voilà, Pasteur Roger. Nous remercions France pour cette intervention très documentée et qui, je l'espère, en tout cas, suscite ou a déjà commencé à susciter des questions, des interrogations. Alors, j'aimerais ouvrir le débat par une simple question. Puisque la connaissance remplace la croyance, y a-t-il nécessité de croire ou impératif de connaître? Il y a nécessité de croire et impératif de connaître, parce que la connaissance commence toujours par la croyance. Quelqu'un qui connaît quelque chose commence toujours par se poser une question, par émettre une hypothèse. Lorsqu'on est au stade de l'hypothèse, c'est une croyance. On croit que cette chose-là est vraie. Après, on va donc l'expérimenter, faire des recherches et apporter des preuves pour transformer cette croyance en connaissance. Mais tant qu'on ne peut pas la transformer en connaissance, ça reste une croyance. Donc, la croyance n'est pas quelque chose de mauvais. Elle est un premier pas qui doit mener vers la connaissance. Sauf que si on s'arrête à la croyance, eh ben, c'est comme si moi je fais une hypothèse et que je ne vais pas plus loin. J'émets l'hypothèse que le soleil va disparaître dans 3 jours. Je peux arriver à convaincre 10, 20, 200 personnes avec ça, mais ça ne veut pas dire que ce que je dis là, c'est quelque chose de solide, parce que je n'ai pas fait d'expérience, je n'ai pas fait d'études, je n'ai pas montré que le soleil a un carburant qui sera terminé dans 3 jours, je n'ai rien montré de valide. Donc la croyance, c'est une première étape, mais elle doit être sanctionnée par des études, une expérimentation qui vont la valider. Je rappelle que nous avons avec nous le docteur Patrick Etoubianani, Josué Saint-Pierre, mais j'aimerais me tourner vers Laurence, qui est le lien entre les internautes et les intervenants, pour lui demander si déjà il y a des questions sur le Zoom et sur YouTube qui pourraient faire l'objet d'un débat immédiat. Bienvenue, Laurence. Merci, bonsoir à tous. Désolée pour ce petit retard de connexion. Malheureusement, ici en Guadeloupe, les choses ne sont pas toujours faciles. Nous vous demandons de prier pour nous d'ailleurs, puisque nous avons des petits problèmes de connexion et de coupure de courant. Alors, pour aujourd'hui, Pasteur Roger, je remercie France pour cette superbe présentation. Effectivement, il y a deux questions qui se présentent de la part de nos internautes que nous saluons très chaleureusement sur YouTube et sur le chat. Alors, première question de Charles. Si je comprends bien ce que vous dites, donc cela s'adresse bien sûr à notre ami qui vient de faire sa présentation, la connaissance est-elle davantage liée au savoir ou à la croyance? Est-ce que la connaissance est liée au savoir, ou à la croyance? C'est la question de Charles Franz. Oui, la connaissance est liée au savoir, parce que comme on l'a dit, hein, le savoir est un ensemble de connaissances hein, qui ont fait l'objet d'études, d'expérimentations qui les ont transformées en connaissances. Donc, au départ, c'était des doutes, des hypothèses, des croyances et que l'on a expérimenté, sur lesquelles on a fait des études approfondies et que l'on peut qui entrent dans le champ de la connaissance, alors que la croyance ne fait pas l'objet de démonstration, ne fait pas l'objet de reproductibilité. Si on croit que les extraterrestres existent, on ne peut pas reproduire un événement avec les extraterrestres parce que ça n'a jamais eu lieu. Ça reste du domaine du concept intellectuel, mais qui ne peut pas se matérialiser. Étant donné que les expériences qui se font ne sont pas toutes
exhaustive ni définitive, on pourrait aussi se poser la question, Franz, est-ce que la connaissance est une fin en soi par rapport à la croyance, ou est-ce qu'il y a une part de croyance dans la connaissance acquise qui permet de prolonger l'expérimentation? Toute connaissance commence par une croyance. Parce que plusieurs... Donc, la connaissance elle-même, elle évolue. Hein. Comme je l'ai dit, hein, on peut penser que ce chemin-là est le plus court par rapport à tout ce qu'on sait. On connaît 10 chemins, on a étudié les 10 chemins, on s'est chronométré, on a trouvé que ce chemin-là, c'est le plus court parmi les 10. C'est une connaissance. Ce n'est plus une croyance parce qu'on peut démontrer, preuve à l'appui, que ce chemin-là est le plus court. Mais il se trouve qu'il y a peut-être un 11e chemin qu'on ne connaissait pas. Et on peut avoir une croyance et se dire, peut-être qu'il y a un 11e chemin qui est encore plus rapide que celui que je connais. Donc ça, c'est une hypothèse. Donc on va donc faire des recherches et on va chronométrer, on va trouver ce 11e chemin, on va démontrer que ce 11e chemin est plus rapide que les 10 autres. Et là, on va faire une mise à jour, on va remplacer la connaissance qu'on avait parce que la connaissance, elle est évolutive. Est-ce qu'il n'y a pas une petite confusion entre supposition et hypothèse? Oui, mais une hypothèse, c'est quelque chose que l'on suppose. Hein. Voilà, c'est une thèse qui est hypothétique, c'est-à-dire qui n'est pas validée, qui n'est pas confrontée. À la première preuve. Donc les deux sont assez proches en fait. Nous allons poser une question à Dr. Etouguet parce que on sait bien qu'il y a un lien de cause à effet entre la recherche effectuée dans certains domaines, notamment la théologie, mais dans d'autres domaines scientifiques. Et cette recherche repose sur un certain nombre d'éléments qui provoquent justement l'énoncé d'une thèse qui devient ensuite un qualificatif. Docteur en est-ce ceci, est-ce cela? Est-ce que c'est l'aboutissement d'une croyance ou simplement un pas vers la connaissance, docteur? Je voudrais dire que si la science est un ensemble cohérent de connaissances relatives à un fait ou des phénomènes qui obéissent à des lois qu'on peut vérifier, parce que aujourd'hui, je voudrais faire remarquer que les plus grands scientifiques de l'histoire sont devenus grands parce qu'ils ont ils ont rompu avec les connaissances de leur temps. Vous avez Archimède, qui de son temps, il a trouvé son fameux Eureka, il est parti de la croyance. Et il avait une idée qu'on peut appeler hypothèse. Et puis, lorsque la pomme est tombée sur lui, cette croyance est devenue un fait et puis il a modélé. Vous avez Copernic, Newton, Einstein, tous ont cru à quelque chose sans l'avoir. Et puis après, par des expériences, ils sont arrivés à conceptualiser ça. Et je peux même dire que si vous êtes un croyant, vous ne savez pas, vous ne pouvez pas croire parfaitement. En fait, je pense que les deux sont tellement interreliés qu'on ne peut pas être un vrai croyant sans une vraie connaissance, ni une vraie connaissance sans une vraie croyance. En fait, même les athées sont des croyants. Ils croient en quelque chose. L'exposé de Fritz a été vraiment assez enrichissant. Maintenant, revenons sur le thème qui nous amène ce soir, les relations des religions et la science. C'est vrai qu'ils n'ont jamais été de façon paisible dans leurs relations. Mais en réalité, parce que je vois ici des postures différentes vis-à-vis de l'expérience de la création de Dieu. Parce qu'ils se sont confrontés autour des siècles, depuis la naissance du christianisme, c'est-à-dire que les premiers débats ont opposé les philosophes issus de la tradition grecque et aux théologiens au père de l'Église chrétienne. Pourquoi? Parce que ces derniers voulaient justifier leur discours de sectaire auprès des Grecs qui étaient cultivés. Mais lorsqu'on se rend compte, en fait, les Grecs étaient polythéistes et les élites chrétiennes étaient monothéistes. Donc, déjà, il y avait déjà, sur le plan même philosophique, une confusion de catégories. Parce que la science n'est que le résultat de l'interprétation humaine de l'œuvre divine. Vous voyez, donc à ce niveau, le scientifique comme le croyant sont juste des personnes qui veulent savoir, mais d'une manière différente. D'autres, ils ont ce qu'on appelle le doute scientifique. Ils émettent un doute scientifique et ils avancent. D'autres disent que non, moi je crois en la parole révélée, comme Dieu, comme Fritz a mentionné, et ils avancent. En réalité, je pense que ce n'est que deux postures.
En fait, je pense que la dichotomie entre les deux, l'opposition, c'est une position seulement d'opposition. En réalité, un vrai chrétien devrait savoir et un vrai savant devrait croire. C'est ça que je pense à l'issue de ce que Frise a dit. Je pourrais. Je corrige, ce n'est pas Frise, mais c'est Franz. Franz, oh, sorry. Mais tu sais, parce que moi je l'appelle toujours Frise, il ne m'a jamais dit que ce n'est pas ça. Parce que ça lui plaît bien et il croit qu'il est Frise. En fait, il sait qu'il est français, c'est pour ça qu'il ne réagit pas. Avançons dans notre débat. Je pense que tout à l'heure, Laurence émettait un certain nombre de questions qui venaient de l'auditoire. Nous avons répondu à celles de Charles. Nous revenons à Laurence, puisque en ce moment, sur la Guadeloupe, il y a des petits problèmes de connexion et Franz en fait les frais lui aussi. La deuxième question, en fait, c'était un internaute qui se demandait si Dieu peut changer la taille des neurones, puisque Franz disait tout à l'heure que lorsque nous avons des croyances et lorsque nous avons pendant très longtemps, depuis l'enfance, entendu certaines choses, les neurones grossissent, les neurones s'ancrent, et en fait, on y croit, on finit par vraiment y croire. Est-ce que Dieu peut changer la taille des neurones et retirer d'un être humain ce qu'il croit ou de ce qu'il sait? Donc ça, c'est la première question, parce que Dieu a une interaction là-dessus. Et la deuxième chose, que penser de la conversion? Alors, quand on parle de conversion, qu'est-ce que c'est une conversion? Quand quelqu'un décide de croire et de changer sa mentalité, est-ce que c'est du savoir ou est-ce que c'est de la croyance? Deux questions intéressantes. Déjà, la première, est-ce que Dieu peut changer la taille des neurones et donner une dimension plus correcte à la croyance ou à la connaissance? Qui veut répondre? Moi, si je devais répondre, ce serait donner une réponse de croyant, parce que je ne pourrais pas démontrer que Dieu a changé la taille d'un neurone d'une personne pour favoriser telle ou telle posture. Et donc, ce serait une réponse d'un croyant qui répondrait par rapport à ce qui lui a été inculqué, qui est que Dieu est tout-puissant. Donc, en partant de là, il peut tout faire. Donc, ce serait le restreindre que de dire qu'il ne peut pas changer la taille d'un neurone. Mais est-ce qu'il le fait? Ce n'est pas tous ceux qui peuvent faire quelque chose qui font ce qu'ils peuvent faire. Donc, est-ce qu'il intervient? Est-ce qu'il le fait? Moi, je ne pourrais pas démontrer qu'il l'a fait pour qui que ce soit. Je rappelle que les questions sont ouvertes et nous invitons nos internautes, sur Zoom en particulier, à actionner la main électronique dans le cas où ils voudraient avoir la parole et intervenir. Bien entendu, la réponse de croyant de France pourrait laisser certains sur la fin parce que selon ce que nous avons entendu jusqu'à présent, que ce soit de France, de Dr Itougué et de nos internautes qui semblent s'intéresser à cette question, y a-t-il une posture qui serait privilégiée ou qui serait prioritaire ou primordiale par rapport à une autre? Est-ce qu'on peut dire que celui qui sait est supérieur à celui qui croit ou celui qui croit a une supériorité par rapport à celui qui sait? Pasteur, moi, je voudrais peut-être montrer que les deux ont des limites, mais je veux parler de la limite de la science. Vous savez, la vision du monde qui se développe, qu'on appelle le scientisme, qui suppose que la méthode scientifique est le seul guide fiable de la connaissance et que la vérité seule que nous pouvons découvrir disponible, c'est celle qui est acceptée sur une perspective expérimentale. Alors, ce scientisme, à mon avis, est basé sur l'hypothèse que c'est la seule méthode de vérité. Mais comme cette hypothèse ne peut être elle-même vérifiée, dérivée scientifiquement, moi, je pense qu'on ne doit pas la considérer comme vraie, philosophiquement parlant, je veux dire. Deuxième chose, je réfléchis aussi également, je vois que le scientisme a une orientation essentiellement impersonnelle, donc incapable de traiter les aspects intrinsèquement liés à la vie humaine. Pourquoi on meurt? Où on va après la mort? Il ne peut pas répondre à ça. Donc, ils réduisent l'humain à un mécanisme impersonnel et privé. Alors, la troisième limite de la science que je peux avoir, c'est celle de... Le scientiste n'a pas en lui le pouvoir de délivrer les êtres humains de leur torpeur, de leur mou. Et il est incapable de fournir la base de ce qui peut être bien, vrai ou beau. Donc, à fortiori, à cause de ça, donc, je pense que la croyance a des limites, mais également la science a des limites. Dans ce cadre-là, je pense que
Il faudrait qu'il y ait une discussion d'ensemble, que les deux puissent gagner de l'un de l'autre. Alors, docteur, bien sûr, dans 15 jours, nous allons traiter le sujet foi et science. D'accord. Peut-être qu'il serait prématuré d'opposer les croyants aux scientifiques. Mais d'une manière générale, et c'est la question par rapport à la connaissance et la croyance, puisque cela va nous amener au débat dans 15 jours. J'ai noté déjà que l'idée serait que lorsque l'on connaît, c'est ce que dit Franz, on ne croit plus en la même chose, en fait. Si j'ai bien compris, Franz, hein, quand on connaît, si on rencontre un extraterrestre, on arrête de croire qu'il existe parce qu'on peut maintenant vérifier qu'il existe. Mais alors, le problème, il est complexe dans la mesure où ce que nous croyons est souvent mis à mal par ce que nous connaissons. Et ce que nous connaissons n'est pas toujours satisfaisant par rapport à ce que nous croyons. Parce qu'il y a une espèce de satisfaction dans la croyance que la connaissance ne donne pas, puisque apparemment, selon ce que j'ai entendu tout à l'heure, la connaissance remplace la croyance. Et à partir du moment où elle remplace la croyance, elle la détruit, elle l'élimine. Et on se pose la question, y a-t-il une part de croyance vitale dans la connaissance ou pas? Il faut sectoriser la connaissance, c'est-à-dire que la connaissance est sur un sujet, un domaine bien précis. Par exemple, la connaissance sur le soleil. Est-ce qu'on croit que le soleil existe ou est-ce qu'on sait qu'il existe? Celui qui croit qu'il existe va plus parce qu'il peut le soleil. Même un aveugle peut dire qu'il sait que le soleil existe parce qu'il expérimente les effets du soleil sur sa peau. D'accord? Et donc, c'est un savoir. Mais il ne faut pas penser que la connaissance englobe toute chose. Et c'est pour ça qu'elle a des limites. La science a pour but, la science n'a pas pour but de rendre les gens heureux. La science a pour un seul, deux objectifs, c'est de produire des données et des connaissances. C'est tout. Donc si on attend que la science nous rend heureux, on fait fausse route. La science produit des données et des connaissances. Je voulais dire, Franz, en fait, si la connaissance est un ensemble de choses connues du savoir, alors ces informations doivent être intégrées dans un système d'intelligence, par exemple. C'est la raison pour laquelle entre un Newton et Einstein, les deux avaient des connaissances, mais intégrées dans des modèles différents. Ceux qui avaient la connaissance, tu vois, qui avaient la connaissance au temps de Newton sont devenus des ignorants au temps d'Einstein. Mais finalement, qui avait la connaissance? Moi, c'est ce que je dis, la connaissance, elle se met à jour. J'ai pris déjà un exemple, hein, des 10 chemins, des 11 chemins. Donc, la connaissance se met à jour. La connaissance n'est pas figée. La connaissance, ce sont des étapes, d'accord, qui permettent de vérifier un certain nombre de choses. Donc, ce que je sais aujourd'hui, demain, je saurai mieux. Hein. Les choses que je sais faire aujourd'hui, je sais les faire. Mais demain, avec de nouvelles connaissances, je saurai mieux faire. Je vais optimiser. Mon cerveau va devenir plus performant, d'accord? C'est dans ce sens-là que la connaissance, elle est progressive. Elle est progressive, elle n'est pas figée. Newton, comme tu as pris l'exemple de Newton, même Einstein, aujourd'hui, il se fait dépasser par les découvertes qu'on fait sur la physique quantique. Pour les gens d'aujourd'hui qui n'ont même pas le tiers de son niveau d'études, avec l'ordinateur quantique, etc., c'est Einstein sur une chaise, voilà. Mais est-ce que ça veut dire qu'Einstein était un imbécile? Non, pas du tout. Mais c'est qu'on continue de progresser. Dans 100 ans, les choses qu'on va découvrir seront encore plus poussées que ce que nous savons aujourd'hui. La connaissance va continuer de progresser et de s'affiner, mais ne sera jamais parfaite. La Bible déclare que, et c'est une déclaration qu'on trouve dans le livre du prophète Daniel, où dans l'expérience de foi et de croyance qu'il faisait, s'entend dire par Dieu, tiens secret de ces paroles, car elles ne sont pas pour ce temps-là, mais la connaissance augmentera. Cette déclaration, je crois, s'applique à tous les domaines, que ce soit le domaine scientifique, philosophique, métaphysique, etc. La connaissance augmente. Donc, ce qui veut dire que si la connaissance augmente, elle est donc une étape dans le processus de la croyance en réalité.
Qu'en pensez-vous? Pasteur Guy Roger, tu sais, dans la connaissance biblique, enfin sur l'Ancien Testament, je vais d'abord cela, c'est le Dahat. Le Dahat ici, c'est une connaissance qui vient de la perception et d'un discernement, d'une compréhension, mais au-delà de toute chose, elle ajoute la notion de sagesse. Voilà la différence avec une connaissance scientifique simple qui peut vous rendre intelligent, mais vous êtes un meurtrier, par exemple. Mais la connaissance de Dieu, par contre, non seulement elle vous donne des informations, elle vous donne une perception, une adresse sur ce que vous faites, mais elle transforme votre vécu pour le bien. Maintenant, dans l'aspect grec qu'on appelait épignoète, et dans le Nouveau Testament, c'est la connaissance des choses morales ou divines, mais également des choses scientifiques. C'est dans ce sens-là que moi je pense que l'investigation scientifique n'est pas le seul moyen d'acquérir des connaissances sur le monde. Donc il faudrait donc peut-être que France est la mort dessus, mais c'est comme ça que je vois les choses. Est-ce que la recherche de la connaissance qui prendrait sa source dans la croyance ne vient pas d'une perception particulière du vécu, c'est-à-dire du monde tel que nous le percevons? Et est-ce que la science ne chercherait pas à lui donner une raison d'être? Parce que, prenons un exemple bien simple, aujourd'hui, les scientifiques croient qu'il y a de la vie sur d'autres planètes. C'est une croyance ou une connaissance? C'est une croyance. C'est une croyance. Tout comme le Big Bang, c'est aussi une croyance. Tout à fait. Ce sont des croyances, mais pour l'instant, à mon avis, quand j'analyse la chose, d'ailleurs, dans ton questionnaire, j'ai noté qu'il manquait une troisième question. Je crois que telle chose existe, mais je pourrais aussi, je crois que telle chose n'existe pas. Et les réponses qui pouvaient être données, c'était « je crois ou je sais ». Mais je sais que telle chose n'existe pas parce que je crois qu'elle n'existe pas. Et ça aussi est une posture que l'on a dans son esprit d'être convaincu de quelque chose que l'on croit parce qu'on sait que cette chose n'existe pas. Et bien entendu, je donnerai un exemple. Le hasard existe-t-il? Je crois qu'il existe ou je sais qu'il n'existe pas? Voilà une question complexe. Mais pasteur, par exemple, prends l'exemple d'une personne scientifique qui croit qu'il existe d'autres mondes. La Bible nous semble nous dire qu'il existe d'autres mondes, d'autres êtres créés. Je n'ai même pas besoin de la science pour cela. Mais France est bien au courant qu'il y a 6 mois et l'année dernière, la NASA a trouvé ce qu'on appelle des exoplanètes où il y a à 90% la possibilité qui sont déjà plus scientifiques. Mais dans le cadre biblique de la croyance, moi, je n'avais pas besoin d'attendre la NASA pour savoir ça, que Dieu a créé d'autres mondes. Donc, tu vois, moi, je pense qu'il y a un jeu entre les deux. Les deux sont vraiment synonymes et parfois connexes. Oui, concernant les exoplanètes, ça fait plusieurs décennies. Ça a commencé avec le télescope Hubble et ça se poursuit avec le télescope James Webb. Et la toute première planète qui était vraiment proche de la Terre, c'était Kepler 22b. Et on en a tout découvert plusieurs centaines qui remplissent les conditions qu'on appelle les conditions d'habitabilité. Effectivement, mais concernant la Bible n'a pas dit qu'il existe des planètes sur lesquelles il y a des êtres, etc. La Bible parle plutôt d'esprit ou de choses comme ça. Donc, s'il y a des versets qui permettent de savoir qu'il y a d'autres planètes habitées, je ne les ai pas encore personnellement lus, mais ça n'a pas, c'est pas la même chose que d'imaginer quelqu'un à 4, 5, 2 ou 7 pattes sur une planète. C'est pas la même vision. Mais frère, tu sais, regarde, sur le point biblique, je t'explique. Le Hachamaïm, là, c'est un pluriel. Hein? C'est parce qu'on le traduit au singulier. En fait, Dieu a créé des mondes. Je vais te trouver 2 ou 3 versets, on peut spéculer dessus. Tu vois un peu? Dieu a créé des mondes, mais le problème, c'est que il a mis tout son amour sur le monde de la terre. Et éventuellement, bon, c'est vrai, je sais que l'esprit de prophétie n'est pas cru par tout le monde, mais il y a des prophètes qui disent également que le Seigneur a créé d'autres mondes avec des vies. Et ça, je te parle dans les 1800, c'est les gens qui disaient ça. Donc, sur la base de la croyance, moi, j'avais la certitude qu'il y avait d'autres mondes qui existaient. Tu comprends? Je vais seulement te montrer comment le croyant évolue. Ce n'est pas quelqu'un qui est bête. C'est quelqu'un qui part sur une croyance comme tout scientifique.
comme Archimède, lorsqu'il trouve sa formule, je te dis, heureux Kala, il dormait sous un pommier. Et quand la pomme est tombée sur lui, sa croyance est devenue un fait scientifique. Tu vois, donc moi, je pense que les deux sont très liés. Par contre, je ne voulais pas insulter les gens. Je n'ai jamais pensé, je n'ai jamais dit qu'un croyant est quelqu'un qui est bête. Hein? Pas du tout. Je ne crois pas non plus que tu l'aies dit, Franz. Et le penser, ce serait une bêtise de toute façon, puisque ce n'est pas scientifique. Mais ce que je voulais dire, c'est que l'empirisme semble être très fort dans certains domaines, parce que l'empirisme est le résultat d'une forme d'observation qui pourrait s'apparenter à une forme de science aussi. Qu'est-ce que tu penses? Déjà, j'aimerais qu'on cadre les choses. L'Occident a tendance à s'approprier la science. Et aujourd'hui, on a l'habitude de penser que quelque chose qui ne cadre pas dans la façon occidentale de concevoir la science n'est pas scientifique. Ma considération va beaucoup plus loin parce que les Occidentaux ne sont pas capables, d'un point de vue scientifique, d'expliquer comment on a fait, par exemple, pour mettre en place le calendrier d'Adam. Il y a 60 000 ans, ce sont des pierres de 30 mètres de haut, de plus de 5 tonnes chacune, qui permettent jusqu'à aujourd'hui de lire l'heure, le mois, l'année et l'air, L-E, accent grave, R-E, c'est-à-dire pour savoir si on est dans l'air du poisson, l'air du verseau, etc. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas les moyens techniques pour transporter ces pierres-là à l'endroit où... Donc, ce n'est pas parce que c'est impossible avec les moyens que l'on a aujourd'hui que ça l'a été dans le passé. Donc, il y a donc d'autres formes de science, d'autres formes de démonstration qui ont la même valeur que la démonstration occidentale. Le plus important, c'est que la démonstration doit être logique, reproductible et qu'elle explique un fait. Donc, la vérité, c'est la conformité d'un récit avec les faits. À partir du moment où on a une technique qui permet d'expliquer, pas de dire oui, ça s'est fait, c'est un mystère, on ne sait pas pourquoi, mais d'expliquer comment c'est arrivé, c'est de la science. Même si la science occidentale ne peut pas l'expliquer, si on a une autre science d'un peuple empirique qui l'explique, c'est de la science aussi. Il ne faut pas restreindre la science juste aux concepts occidentaux et à la capacité occidentale d'expliquer un certain nombre de phénomènes. Oui, bien sûr. Alors, bien entendu, on pourrait aller beaucoup plus loin dans cette réflexion, puisque je rappelle que le thème est la connaissance ennemie de la croyance, est-ce opposée? Nous sommes au clair sur le fait que ce n'est pas intelligent, en tout cas, d'opposer la connaissance à la croyance, puisque ce sont deux postures qui sont interdépendantes et selon l'ordre dans lequel on se positionnerait, eh bien, ces postures ont une certaine forme de progrès à offrir, en tout cas. Alors, nous allons retourner à Laurence pour savoir si nos internautes ont réagi ou réagissent encore et s'ils ont une attente plus grande de ce débat. Pour l'instant, les internautes se posent la même question, enfin, en tout cas, de ce que je peux glaner un peu sur les réseaux. C'est-à-dire qu'ils doivent, je pense qu'ils sont perdus entre dois-je croire que Dieu existe ou est-ce que je dois dire je sais que Dieu existe par rapport à ma foi. Donc, ça revient un petit peu comme ça. J'ai aussi une internaute qui nous dit qu'elle réagit parce qu'elle pense que la connaissance en tant que science, hein, la science de la connaissance, veut nous détourner de la foi, qui est une dimension de l'invisible, vers la nature visible. Et généralement, les personnes qui passent par la science pour pouvoir convaincre veulent récupérer notre adoration. C'est ce qu'elle dit, parce qu'elle dit que l'homme est de toute façon venu sur terre et est né, soit pour être tourné vers Dieu, soit pour être tourné vers l'homme. Donc, on ne peut pas confondre les deux. Donc, c'est un petit peu ça qui tourne dans les discussions des internautes. Et la vraie question, doit-on croire en Dieu avec tout ce que cela représente? Ou est-ce qu'on sait que Dieu existe et on doit le dire ainsi, même si apparemment ce qu'il en ressort de l'expression et de la présentation de Franz, c'est qu'il y a effectivement cette vraie différence entre les deux.
Avant, je croyais que Dieu existe, mais maintenant, je sais qu'il y a un créateur. Parce que je me suis aussi posé la question, j'ai fait un certain nombre de recherches et de raisonnements, d'exploration de l'espace, pour arriver à un stade de savoir. Peut-être que demain, ce savoir changera, mais au jour d'aujourd'hui, je ne crois plus. J'aimerais bien comprendre la posture de France actuellement. Parce que France nous dit, je croyais que Dieu existe, maintenant je sais qu'il y a un créateur. Donc, est-ce que le fait de savoir qu'il y a un créateur t'interdit de croire en Dieu? Ben oui, je n'ai plus à croire, je n'ai plus le besoin de croire. C'est comme quelqu'un qui a faim, une fois qu'il a mangé, il n'a plus faim. Il aura faim après. Mon besoin de croire en Dieu, ma soif de croire en Dieu a été complétée avec le savoir. Maintenant, je sais, et les doutes qui pouvaient exister, ces doutes-là n'existent plus aujourd'hui. D'accord, j'ai bien compris que ce n'est pas... D'accord, là, je veux clarifier ta position pour que les gens ne te considèrent pas comme un non-croyant ou, j'allais dire, un perdu de la foi, mais tu serais plutôt parmi ceux qui pensent qu'ils croient que Dieu existe et qui croit qu'il existe, tout simplement, c'est ce que j'entends. Alors, il y a Jean-Pierre qui voudrait prendre la parole et je la lui donne tout de suite, Jean-Pierre. Oui, bonsoir, c'est pas Jean-Pierre, c'est Josué qui intervient à la place de Jean-Pierre. Avec la tête de Jean-Pierre, alors. Avec la tête de Jean-Pierre et son aval. En fait, bonsoir à tous, je suis cette intervention depuis un certain temps, depuis qu'elle a commencé. Et je pense qu'il y a, un élément qui prête à... On confond connaissance et, connaissance et information, ou données, information, appelez-le comme vous voulez. Quand le texte dit que la connaissance augmentera, il est fait mention, à mon sens, hein, de la somme de savoir, que le savoir va augmenter, et à partir de l'augmentation de ce savoir, eh bien, l'homme aura la possibilité de se positionner de manière plus sûre et plus juste. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans un contexte où, depuis le départ, je le dis toujours, le monde a été construit sur un mensonge. Le mensonge, c'est que l'ennemi a fait croire que le fait que le Créateur avait dit « le jour où vous mangerez de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous deviendrez mortel », lui dit « non, vous ne deviendrez pas mortel, vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal ». Et à partir de là, tout ce qui s'est construit sur un mensonge, sur une fausse information. Aujourd'hui, à la fin des temps, la promesse a été faite à travers Daniel que nous aurons un éclaircissement de plus juste sur la vérité, et l'homme pourra se positionner. Je ne crois pas que la foi, la connaissance dont nous parlons, il n'y a pas de connaissance sans expérience. Si nous n'avons pas fait l'expérience de quelque chose, nous ne pouvons pas dire que nous connaissons, qu'il y a une somme de connaissances qui s'installe. Il faut que les choses soient claires, nettes et précises. Le texte parle de la connaissance lorsque Adam et Ève vont entrer en relation. Sans relation, il n'y a pas de connaissance. Sans interaction, il n'y a pas de connaissance. Et c'est sur la base de l'expérience qu'on construit sa foi. Moi, je dis toujours que la foi repose sur des évidences. Sans évidence, on peut croire dans le mensonge. Et d'ailleurs, il y a l'enfer est pavé d'hommes et de femmes de bonne volonté qui ont cru à un mensonge. Et aujourd'hui, l'être humain est amené à faire l'expérience de la vérité de manière à ce qu'il puisse se positionner de manière plus juste dans ce qui est vrai et pas rester dans l'ignorance et le mensonge. Et pour moi, la seule réponse à la question qui a été posée, le thème de l'émission, c'est l'ignorance. L'ennemi de la croyance, c'est l'ignorance. Le Dahat dont je parlais tout à l'heure là, a quatre sens différents.
c'est la connaissance générale, le mot de Daniel 12, verset 4 que tu as cité. Ça peut être la connaissance technique au sens de l'habileté manuelle, intellectuelle. Ça peut être la connaissance même d'une chose. Par exemple, je te prends un verset de Proverbe 24, verset 4. C'est par la science que les chambres se remplissent. Et la version top va dire, avec l'expérience, on a rempli les chambres. Vous voyez donc que la connaissance et les sciences et l'expérience, comme a dit notre frère Saint-Pierre qui a été exprimé, on ne peut pas les dissocier. C'est pour cela que le mot, pasteur dirigé, le mot amen que tu connais, amen signifie, is dependable, je ne connais pas le mot en français, c'est quelque chose de sûr, c'est comme un mur, une fondation, quelque chose que j'ai expérimenté. Et parce que je l'ai expérimenté, je peux y croire. On ne croit pas sans avoir une expérience, comme a dit pour Joseph Saint-Pierre, il a raison à ce niveau. La connaissance biblique est une connaissance qui est démontrable du point de vue des croyances. Quelqu'un n'est pas sûr dans l'air, il est sûr parce qu'il a expérimenté. Donc moi, je ne dis pas que je crois que Dieu existe. Je crois en Dieu, mais je sais qu'il existe. C'est un peu la nuance que moi je veux faire pour montrer que France et moi, on est un peu deux savants, mais des perspectives qui ne sont pas aussi longues que ça. Je disais qu'à partir du moment où on croit que l'on sait qu'on ne sait pas, on sait. C'est bien ce que je voudrais penser. Charles va peut-être répondre à cette question. Si je crois que je sais que je ne sais pas, je crois que je sais que je ne sais pas, donc je ne sais pas que je sais. Ou je sais que je ne sais pas. Oui, Charles, tu as la parole. Alors, il me semble que pour votre question qui porte sur le savoir, je crois, ce que je sais, il me semble que Socrate répond très bien, il a besoin de revenir. En revanche, la question que je voulais poser, j'ai écrit la réalité de la déstructuration au choc de la foi, ce qu'on appelle aussi le choc des civilisations ou choc des cultures ou encore choc des religions. C'est-à-dire, Franz, dans ta présentation, on a bien vu que l'Afrique est le continent le moins avancé et culturellement ou intellectuellement, si je peux dire ainsi. Faut-il penser que la foi est la cause de l'abrutissement des peuples? Non, pas du tout. C'est plutôt le contraire. C'est-à-dire que pour manipuler quelqu'un, prenons un exemple d'un tour de magie. Les magiciens, ils font pas de tour de magie aux magiciens. Ça n'impressionne pas les magiciens parce que eux, ils savent comment ça se fait, d'accord? Mais ceux qui sont impressionnés sont ceux qui ne savent pas. Ils n'ont pas la connaissance de comment ça se fait. Donc, quand on leur fait un tour de magie, ils y croient. Et ils sont impressionnés. Donc, c'est le faible niveau d'instruction qui permet de croire en toutes sortes de choses parce qu'on n'a pas suffisamment de connaissances pour savoir si ça, c'est bien ou si ça, c'est pas bien. Comme je pourrais montrer, si vous regardez, vous cherchez carte des religions en Afrique, vous allez voir que le sud est musulman, le nord est musulman et le sud, et ça fait 400 ans que c'est comme ça. Les deux ne s'entendent pas, mais il n'y a pas de vérité. Si la vérité, la bonne croyance, c'était la croyance des chrétiens, ça fait un moment que les musulmans, ils entendent parler, ils se seraient convertis au christianisme. Si la bonne croyance était la croyance des musulmans, ça fait un moment que le sud se serait converti à l'islam. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Chacun reste dans sa croyance. Et puis, France, pour ajouter, excuse-moi, je te coupe la parole. Les premières universités dans le monde étaient des universités, par exemple, chrétiennes. Yale, Harvard, et ainsi de suite. Ça veut dire que réellement, la foi n'est pas contre le cognitif. C'est dans les siècles des Lumières que c'est là où il y a eu quelque chose d'embrouille qui s'est passé là. Je ne sais pas, peut-être qu'il faudrait qu'on présente ça. Mais avant, les deux coexistaient. La plupart des grands scientifiques jusqu'au 19e siècle étaient croyants, soit musulmans, soit chrétiens. Donc, en fait, quand on vit dans un monde où tout est chrétien, c'est normal que les universités soient chrétiennes. À l'époque, le christianisme dominait le monde. D'accord? Donc, c'est pour ça que c'était des universités chrétiennes. Pour l'islam, c'est pareil. Hein? C'est l'islam qui fait... au niveau technologie, c'est l'islam, instruction, oui. L'islam. Avec Averroes, des grands mathématiciens. Tout ça, tu as raison, c'est bon. Oui, yeah. Oui. Non, mais c'est comme je le disais, le niveau d'instruction et la croyance, ce n'est pas quelque chose qui se définit de manière instantanée.
La France était un pays catholique à quasiment 100%. Ce n'est pas hier que l'instruction a commencé en Europe. Ça a pris énormément de temps, plusieurs générations, pour que le taux de croyants diminue en Occident. Quand on est croyant, on le transmet à son enfant. L'enfant qui a un meilleur niveau d'instruction que soi va se poser un certain nombre de questions. Et le fait qu'on ne devient plus croyant, c'est qu'on a des questions qui n'ont pas de réponse, des questions auxquelles la foi ne répond pas. Quand je demande, par exemple, où sont les écrits de l'apôtre Matthieu, Luc, etc., la foi ne peut pas me répondre à cette question. Quand je vois qu'il y a des papyrus qui datent de 4000 ans, 5000 ans, alors que je demande un écrit de 2000 ans et que personne ne peut me le donner, la foi ne peut pas répondre à cette question. D'accord? Donc, on voit qu'il n'y a pas de matière archéologique pour démontrer un certain nombre de questions. D'accord? Bon, mais donc, laisse-moi un peu répondre sur ça. Ok, d'accord. Sur les manuscrits, tu vas continuer. Bon, vas-y, tu peux répondre sur les manuscrits. Ça éloigne les gens qui se posent ces questions-là. Sur ces choses-là, quand on va dans un musée, on va voir des vestiges de toutes les nations, de plein de choses. Hein? Mais quand on commence à demander, oui, les preuves archéologiques de tel fait, de tel événement qu'il y a dans tel écrit, comme il n'y a pas ces preuves-là, donc on s'éloigne de ça parce qu'on n'arrive pas à démontrer cette croyance-là. Donc voilà, mais ce n'est pas quelque chose qui est comme une scie qui coupe tout de suite dans le temps. Dès qu'on a un niveau de connaissance, boum, tout de suite, on devient croyant. Mais France, tu sais, un papyrus qui existe à Rome ou en Italie, en Égypte, ne peuvent pas exister de la même manière. Parce que rappelle-toi, l'Égypte est ensoleillée, désertique. Donc, ça veut dire qu'un papyrus pourrait durer plus de 2-3 000 ans. Mais le même papyrus ne pourrait même pas faire 400 ans en Europe. Donc, il y a aussi quand même sur une base, je te parle de la critique textuelle, hein, les manuscrits les plus anciens que nous avons, les papyrus du 2e siècle, de 110 ans après Jésus-Christ, se trouvent en Égypte. On appelle ça les Osyncrus, parce que l'Égypte s'y prêtait. Mais les manuscrits d'Europe, on n'en a pas trouvé à partir du 14e siècle, parce qu'ils ont commencé à faire avec des cuirs. Donc, il n'y a rien de manuscrit qu'on a trouvé en papyrus en Europe, en Égypte, c'est des milliers. Donc, quand même, ici, il y a aussi une accusation de principe qui, ma foi, me semble logique, à mon humble avis, sur le principe de critique textuelle. Je crois que notre débat est en train de s'essouffler dans la mesure où nous entamons la réflexion que nous aurons dans 15 jours sur la foi et la d'accord. Pardonne-nous, parce que nous, on est en train de pousser. La... Mais je rappelle qu'il est très important, selon ce que nous a expliqué Franck, de croire est une posture, connaître serait une autre posture, c'est-à-dire deux postures distinctes qui ne sont pas forcément opposées ou antinomiques, mais qui seraient en même temps l'une destructrice de l'autre. Ce qui veut dire que la connaissance remplacerait la croyance et à ce moment, cette croyance deviendrait caduque. Mais l'objectif de notre rencontre d'aujourd'hui est aussi de replacer dans son contexte non seulement la connaissance et la croyance, mais aussi l'homme. Parce qu'en réalité, est-ce que l'on pourrait parler de connaissance et de croyance lorsqu'on parle d'un animal? On parle d'instinct. Tandis que pour l'homme, il y a ces deux notions qui interviennent régulièrement. Je crois, je sais, je comprends, j'agis. Tandis que l'animal, de manière automatique, réagit à son environnement et la science nous dit que c'est par instinct, donc s'inscrit dans ses gènes, etc., etc. Le croyant serait-il un animal pensant? C'est la question à laquelle j'aimerais qu'on réponde avant que nous terminions. Serait-il un animal pensant ou tout simplement un connaisseur de son ignorance, par exemple? Par contre, moi, j'ai beaucoup de difficultés
à catégoriser les animaux comme le font les Occidentaux. Parce que il y a 400 ans, on nous avait catégorisé, nous noirs, comme étant des animaux qui n'avions pas d'âme, qui n'avions pas un certain nombre de facultés qui étaient réservées aux personnes de type locoderme. Et donc aujourd'hui, mon ignorance du règne animal ne me permet pas de dire que les animaux ne croient pas, qu'ils ne pensent pas, qu'ils n'étudient pas, qu'ils ne progressent pas et qu'ils n'ont pas de nouvelles connaissances. Lorsque on étudie, on voit que les chiens, ils savent très bien qu'est-ce qu'il faut consommer lorsqu'ils ont des vers. On me dit que ça, c'est un instinct. Mais moi, je sais qu'est-ce que je dois boire quand j'ai soif. Je pourrais dire aussi que c'est un instinct. Je sais quand j'ai mal à la tête que je dois prendre qu'est-ce que je dois prendre comme médicament. On pourrait dire aussi que c'est un instinct, mais on a toujours cette habitude de dénigrer l'autre espèce qui nous est tellement différente. On ne veut pas lui donner accès au même statut que nous, et de ce fait, on lui affuble des adjectifs différents pour la même activité. Là, on va dire que là, c'est la connaissance et chez l'autre, c'est l'instinct. Parce que c'est différent. Mais moi, j'ai jamais discuté avec un chien pour savoir s'il n'a pas de connaissance. Je ne le connais pas suffisamment pour pouvoir dire ces choses-là de lui. Donc moi, je préfère apprendre à le connaître. Et le jour où je le connaîtrai totalement, tout comme maintenant que toute la population blanche connaît les Noirs, et ils sont unanimes pour dire que nous ne sommes pas différents, que nous avons les mêmes aptitudes cognitives qu'eux. Donc peut-être qu'un jour, ce débat-là sera dépassé sur les animaux, à savoir est-ce que les animaux sont si différents que nous que ça, si eux ils pensent pas, et si c'est nous seuls, si nous on est les seuls êtres à penser. Nous allons faire un petit tour auprès de Laurence une dernière fois, puisque ça fait déjà 1 heure que nous sommes ensemble, et mettre un terme à notre débat après ce train de questions. Pour l'instant, pas de questions nouvelles, juste une remarque. Les internautes voudraient savoir si toutes les informations que Franz a partagées avec nous, quelles sont ses sources en fait? Est-ce qu'ils pourraient trouver ces informations quelque part ou lire et se documenter sur cette question? Et puis j'ai eu une réflexion. C'est une personne qui demandait justement concernant les neurones. On dit communément, et dans la science aussi, dans la science médicale, que les neurones, on peut en fabriquer. Aujourd'hui, on a découvert qu'on peut en fabriquer tout au long de la vie. Est-ce que cela veut dire que Dieu nous donne la capacité de nous réinventer et de réinventer nos connaissances? Deux questions intéressantes, Franz. Oui, absolument. Je pourrais partager mes sources. Les intéressés vont écrire à Laurence et elle me transmettra leur adresse et je leur enverrai volontiers les sources. Et concernant les réseaux de neurones, effectivement, justement, c'est l'informatique qui m'a amené à étudier le cerveau humain, parce que dans l'intelligence artificielle, on étudie les réseaux de neurones. Et c'est formidable de voir à quel point les deux se ressemblent. Les neurones se créent, hein, comme des réseaux téléphoniques, des réseaux informatiques, ça se crée dans notre cerveau. On peut les consolider. Et donc, par des exercices, des choses comme ça. Donc, c'est tout à fait possible donc, de créer de nouveaux réseaux de neurones. Quand vous apprenez une nouvelle activité, automatiquement un nouveau réseau de neurones qui se crée. Si vous apprenez un nouvel instrument, une nouvelle langue, eh bien, vous créez un nouveau réseau de neurones parce que le cerveau aura besoin de performance. Et pour qu'il soit performant dans la nouvelle activité, il lui faut un réseau de neurones fort. Et donc, quel que soit l'âge, on peut créer de nouveaux réseaux et les consolider. Je pense que nous avons fait le tour de la question aujourd'hui et j'espère que nos internautes ont été satisfaits de pouvoir participer à ce débat un peu hors du commun, car ce sont des thèmes qu'on préfère laisser de côté, puisqu'on a surtout peur de détruire ses connaissances ou éventuellement d'affecter sa foi. Mais il me semble nécessaire de rappeler en conclusion que nous avons très peu parlé du Créateur dans lequel Franz croit et moi aussi, dans la mesure où tout ce que nous venons de voir ne vient pas du hasard, ne tombe pas comme ça du ciel.
Je pense qu'il y a derrière tout ce que nous avons dit une intelligence qui alimente et qui renouvelle nos connaissances, renouvelle notre joie d'apprendre et qui nous permet justement d'évoluer pas à pas vers une connaissance complète. D'ailleurs, c'est l'apôtre Paul qui dit « Pour l'instant, je ne sais pas, mais quand je connaîtrai, je ne serai plus un enfant, je serai quelqu'un d'accompli. » Donc, la connaissance est certainement un objectif à atteindre, mais il faut une bonne dose de croyance pour accepter cette connaissance et lui donner un sens dans notre vie. Je vous souhaite une bonne semaine, une bonne quinzaine, puisque notre prochaine émission aura lieu le 29 décembre. Nous serons tout près de la fin de cette année, mais pas de la fin du temps. Et le thème sera « Foi et science, quel compromis ?» Donc, je vous souhaite de passer une bonne fin de semaine. Et surtout, continuez à vous documenter, continuez à vous poser des questions, continuez à chercher, à connaître. Mais une chose est certaine, c'est que ce n'est que lorsqu'on a la certitude qu'on ne sait pas qu'on apprend à connaître. Alors, que le Seigneur vous bénisse et à bientôt.